Pardonnez les jeunes Ivoiriens. Je suis Kwame Ngora Honoré, conseiller de chef central du district d'Abidjan. Comme le chef vient de le dire, depuis plus d'une semaine, sinon que 3-4 jours, nous avons appris que le président Bédié est assigné en résidence surveillée et qu'il ne pouvait pas sortir. Alors, eux, en tant que chef, ils ont appris la nouvelle. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? La meilleure façon de pouvoir se prononcer ou même de dire quoi que ce soit, c'est de se rendre à la souche pour savoir ce qui se passe. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? C'est pour ça que ce matin, eux tous, les 11 communes d'Abidjan, tous les 11 centraux, les chefs centraux d'Abidjan, se sont déplacés pour aller rencontrer, voir le président Bédié et savoir ce qui se passe. À leur tête, avec le chef central, Nana Dibiyao. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils ont été surpris que les forces de l'ordre, précisément à Saint-Jean, leur ont demandé qu'ils ne pouvaient pas avoir accès au président Bédié. Ils ont dit non, nous sommes venus. Cette nation, nous sommes tous des enfants du président Henri Konan Bédié, du président Alassane Ouattara. S'il y a un problème qui se passe, nous, en tant que chef, il est important qu'on se déplace pour venir en savoir ce qui se passe. C'est pour ça que nous sommes là. Fort a été leur surprise que les policiers leur ont demandé de quitter les lieux qu'ils ne pouvaient pas avoir accès. Bon, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Alors que dans une nation, quand quelque chose se passe, c'est leurs chefs traditionnels qui sont garants de la tradition, qui sont garants des humes et coutumes, c'est eux qui sont appelés à prôner la paix, à permettre une réconciliation. La preuve, le président Bédié lui-même, le président Alassane Ouattara, il a toujours donné une place à ces chefferies-là. Mais à leur grand étonnement, ils sont arrivés. Quel en soit le problème, ils sont quand même des chefs traditionnels. Ils ont été surpris qu'on les a chassés, qu'on les a renvoyés, qu'ils ne peuvent pas avoir accès au président Bédié. Alors, jusque-là, ils ne savent pas de quoi il s'agit. Mais il est important qu'on porte cela à la connaissance de tout un chacun, que chacun sache que les chefs traditionnels des 11 communes d'Abidjan, c'est-à-dire il y a 11 chefs centraux de toutes les communes d'Abidjan étaient présents. Voilà leur présence ce matin. Vous avez été, je dirais que sorte refoulé ou dû, mais quelle sera la conduite à tenir dans les jours à venir, puisque vous insistez à échanger avec le président Bédié? Bon, je pense que aujourd'hui le pays, pour le moment, c'est le... nous allons solliciter, comme les policiers même l'ont dit, qu'il faut adresser un courrier au ministre de la Sécurité pour qu'il puisse nous donner l'autorisation avant de pouvoir rencontrer le président Bédié. Donc nous sommes partis, les chefs sont partis, c'est pas pour aller aggraver la situation. Au contraire, ils veulent apporter, ils veulent en savoir et chercher quelle solution il faut apporter pour que notre pays retrouve la paix. Voilà un peu ce pourquoi ils sont partis. Pardonnez! Pardonnez! Les jeunes Ivoiriens, je veux la paix pour ce peuple.